Gardien de refuge, ben en fait, ça a été un peu une reconversion professionnelle. Après des années passées en montagne en tant qu'usager, ensuite, moi, à ce moment-là, j'ai travaillé en tant que moniteur d'escalade, puis j'ai fait des travaux acrobatiques. L'hiver, je travaillais en cuisine. Donc, j'avais une petite polyvalence qui faisait que les années passant, la musculature, les articulations étaient un peu plus délicates. Et donc, j'ai un peu réfléchi à ce que je pouvais faire comme autre métier. Et après la polyvalence que j'avais dans mes précédentes activités professionnelles, je me suis dit que là peut-être que c'était... je pouvais peut-être être un bon professionnel dedans. Et j'avais rencontré il y a une dizaine d'années donc un bon gardien, un très grand gardien, M. Jean-Claude Armand, qui tenait le refuge de Lorrain à l'époque, et qui m'avait parlé qu'une formation de gardien se mettait en place. Donc du coup, j'ai fait dans les toutes premières formations de gardien de refuge. Et puis les circonstances, le hasard a fait que j'ai pu garder dès l'année suivante dans le Val-Gaudemar au Xavier Blanc. Et ensuite j'ai tenu Lorrain. Et me voilà ici au Pigeonnier depuis 2 ans. Moi, je suis issu de la région parisienne. Et vers l'âge de 18 ans, je me suis dit que là, c'était pas mon lieu d'épanouissement à venir. Donc après, j'ai vécu dans plusieurs régions. Et au bout du compte, j'ai fini par arriver dans le Vaucluse. Pratiquer de l'escalade de plus en plus intensivement, les week-ends de plus souvent en Hautes-Alpes. Donc j'ai fini par m'installer dans les Hautes-Alpes et là, la montagne était devenue une vraie passion. Alors à l'origine, plutôt grimpeur, voilà. Mais après, je me suis dirigé, c'est vrai, vers des... J'étais très amateur de grandes voies montagnes équipées, modernes. Et puis un petit peu d'alpinisme en terrain un peu plus sauvage. Voilà, un petit peu également de ski de rando, de parapente et de randonnée naturellement. Alors le refuge, il a été celui-ci qu'on voit là, il a été rénové en 2003. Donc on a, si je puis dire, une Rolls-Royce de refuge, c'est-à-dire il est hyper confortable. C'est isolé, c'est sain comme air, les dortoirs sont spacieux, il y a des couettes, la cuisine, une véritable cuisine de professionnels. Donc c'est vrai que c'est un super bâtiment, le cadre est naturellement prodigieux, mais c'est vrai que et pour les usagers et pour le gardien, c'est super. Quoi. C'est vraiment la modernité fait qu'on a aussi de l'énergie de manière confortable. Ça ne veut pas dire qu'on va dépenser l'électricité à tout va. Il faut faire attention quand il n'y a plus de soleil. Mais je crois que tout le monde là est heureux et retrouve quand même un esprit refuge, puisque ça a gardé quand même... On n'est pas en hôtel d'altitude, il y a des dortoirs, donc c'est pas des chambres individuelles. En début de saison, c'est essentiellement pour faire la course des Ruys, une voie normale. Extraordinaire, une course de neige, donc qui donne un panorama fabuleux. On a un petit peu de fervent d'escalade en voie difficile, puisque sur la face sud des Ruys, il y a deux voies bien costauds, bien engagées. Et puis, il y a une petite voie aux gendarmes rouges. Voilà, et puis après, il y a des randonneurs qui ont tendance à venir plus au mois d'août qu'en début de saison. Où là, c'est surtout les alpinistes qui viennent au mois de juillet. Les premiers petits-déj, ils sont entre 3 et 4 heures. Et après, on a un deuxième round de petits-déj à 7 heures. Ensuite, il faut faire le ménage. Ensuite, il faut faire les petites préparations de cuisine, une petite restauration du midi. Ensuite, les alpinistes arrivent de course, quelques randonneurs.
Et puis voilà, il y a une petite place pour une sieste d'un quart d'heure là, en début d'après-midi. Et après, bah, ça reprend, on accueille tous nos clients qui viennent venir nous voir. Donc voilà, je crois que le plus dur, c'est réussir à gérer la fatigue par ce manque de sommeil. Alors le refuge, il est gardé de manière permanente de mi-juin à mi-septembre. Et ensuite, donc, il est ouvert à partir de début mai les week-ends pour le ski de randonnée. Et on continue un petit peu les week-ends jusqu'à début octobre. Il y a de très belles arrière-saisons pour la randonnée. Alors en plein hiver, j'ai envie de dire que je ne conseille pas. Parce qu'on est dans un terrain très avalancheux, ce sont des pentes raides. Et donc, selon les conditions de nivologie, il faut vraiment être connaisseur du coin pour se permettre de venir ici en plein hiver. Au printemps, donc, c'est plus accessible à partir du mois d'avril. Faut connaître les conditions. Mais ça peut s'envisager plus sereinement. Quand j'ai commencé le métier, j'ai été enchanté par cette confrérie qui existe dans ce métier. Il y a vraiment des contacts très chaleureux. Ici, sur les Hautes-Alpes, on a une association de gardiens de refuge où on se retrouve 2-3 fois par an. Les échanges sont hyper importants. Ça permet de savoir qu'un tel il fait comme ça ou l'autre. Des petites astuces du métier qui permettent, je pense, qu'on soit tous meilleurs. Puis il y a également d'autre part un syndicat des gardiens et sur lequel donc ils représentent tout, naturellement toute la France, et on se retrouve tous les ans ou tous les deux ans et toujours bien actif. Et puis c'est pareil, c'est super d'échanger entre régions. On n'a pas tous forcément le même mode de fonctionnement, mais ça enrichit beaucoup de savoir comment ça se passe ailleurs. Je dirais qu'il y a eu une baisse historique dans les années 80-90, et notamment à Lolland, puisque j'avais plus de recul, j'ai trouvé une progression de la part des alpinistes et des grimpeurs. Après, il est vrai qu'il y a des nouveautés qui se créent en montagne. Donc on n'a pas retrouvé bien sûr les années phares des années 70, où l'alpinisme était très en vogue. Mais je suis assez positif pour l'avenir. Je trouve que ça remonte un petit peu. Je pense qu'on n'y est pas pour rien, hein, y compris nous, gardiens, on s'est un petit peu posé des questions à être plus performants, plus accueillants. Et puis pareil au niveau des bâtiments, comme on peut voir ici, un bâtiment tout rénové, c'est très confortable.